Eh bien, salut tout le monde, c'est TheRudy3113, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de RudyCube saison 2, aventure modée. La dernière fois, nous nous étions retrouvés dans notre grotte, là, où on avait exploré, souvenez-vous, cette mine en pierre, là, cette mine hostile, où on avait trouvé des spawners et tout. Et regardez ce que j'ai pu mettre dans le four. Je suis parti un petit peu farmer du zombie grâce au mob spawner qu'il y avait. Et on peut faire cuire la rotten flesh avec du charbon dans un four pour en faire de la chair putréfiée mangeable. Donc c'est, ma foi, très avantageux. Donc on va partir un peu en minage aussi dans cet épisode. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, oui, j'ai mon armure qui est presque défoncée. Et aussi, ce serait pas mal qu'on puisse regarder les petits donjons qu'il y avait. Parce que j'ai vu qu'il y avait... je suis allé visiter un petit peu en off. Il y avait quelques autres salles de donjons. Donc, on ira voir ça. Ne vous inquiétez pas. Alors... oui, ici j'avais changé un peu le truc, donc voilà. Et ici on a, oui, on a du fer à ramasser, on a beaucoup de fer à ramasser. Hop, voilà. Ici on a beaucoup de cuivre aussi. C'est juste totalement délirant ce qu'on a comme cuivre. Allez, on éclaire. Peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Ouh là là, je ne t'avais pas vu, toi. J'ai pas d'épée. Super, je n'ai pas d'épée. On va vite se casser d'ici. J'ai complètement oublié de me faire une épée. Vous y croyez, vous? Une épée. J'ai pas de bois, donc je vais revenir à la base. Et on va se faire une épée pour buter ce squelette. Une épée en cuivre. Et puis aussi, ce serait bien qu'on aille dans le Nether, parce que j'ai vu sur le site de Better Donjon qu'il pouvait y avoir des donjons dans le Nether. Donc, enfin, des donjons dans le Nether, vous savez très bien qu'il y en a déjà, mais des nouveaux donjons, genre des villes pig zombies et tout. Donc ce serait sympa d'y aller voir, qu'on puisse avoir de la chance... et d'aller voir ce magnifique truc de zombie. Voilà, donc je parle très bizarrement, mais c'est pas grave. On va faire 4 épées, voilà. Nickel, je suis un gros malade, mais c'est pas grave. Oui. Alors, voilà, on mange de la viande. Je prends mon épée, et on y va. Oh, pourquoi je fais F3, moi? Merde. Je veux augmenter la luminosité. Bref. Alors ici on a des squelettes qu'on pourrait farmer aussi. Je le ferai en off si je devais. Donc on va aller ici. J'ai besoin qu'on fasse des torches. Hop. Voilà. Puis aïe. Je t'attendais, toi. Ah, c'est pas lui en plus qu'on voulait tabasser. C'est pas lui. Ah, faut que je reconfigure aussi Optifine. Là, je peux plus zoomer. Je peux zoomer avec CTRL. Donc je vais remettre comme je faisais avant. Zoom. Hop. Commande slash. Voilà. Back to game. Oui, il y a plein de fer à ramasser ici. Donc on va s'y coller. Hop. Hop, 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 hop. Allez, le fer, viens à moi. On va ramasser ce cuivre aussi. Welcome to Simple Ores. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'achievement qui est très... très sympathique. Hop. On continue. Hop. Je crois qu'il y avait ce... ah, ouais, il y a des araignées et un squelette comme ça, là, c'est pas très agréable, tout ça. Ah, mais casse-toi.
En plus, tu fais très mal, toi. Pourquoi tu veux pas te casser? Oula. Alors, ici, il y a d'autres spawners. Oh, la mine. Vraiment, la mine, elle s'étend. Enfin, elle s'étend pas, mais elle part dans des directions incroyables de l'infini et l'au-delà. Donc, on va tuer ce zombie et on va aller dans cette direction-là. On va ramasser le fer qu'il y a aussi. Hop. Le fer est là, voilà. Combien on a de fer? On en a 14. Ok, très bien. Alors, oui, on a un squelette que je vais taper à l'épée, pas à la torche. Oh, bien! Chestplate! Il m'attaque des deux côtés, ces cons là. Il m'attaque des deux côtés! En plus, mes bottes vont rendre l'âme. Aïe. Mes bottes vont rendre l'âme. Et voilà, je crois qu'elles ont rendu l'âme. On a un demi point d'armure de moins. Voilà, on n'a plus de bottes. Bref, voilà, on a 7 coppers. On va aller en ramasser quelques-uns de plus. Une source d'eau ici, pourquoi pas? J'avais même pas fait attention à ma vie, tiens. J'ai que 3 coeurs. Alors ici, on a un squelette à battre. Il nous avait même pas vu, tiens. Oh putain, oh putain! Ils font très mal. Ils font très très mal. Donc je sais plus où est-ce que j'avais vu ce petit truc donjon là. Enfin, ce donjon. Non, mais le truc. Ah, je crois que c'était dans cette allée. À moins que ça soit dans l'autre là. Non, n'explose pas, n'explose pas. Et il a explosé. Voilà. C'est pas bien. Ah oui, ici j'avais. Oui, j'avais changé le. Ah ben non, c'est là où il y a le donjon. Je suis con. Oh, vas-y. Non, tu viens pas, toi. Tu viens pas. Bon, lui, on va le snober. Hop, casse-toi. Et eux aussi, on les snob. Hop. Ah, voilà notre donjon. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ouh là 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 là. Ouh. Oh non, il y en a un autre en plus. On se cache, on se casse, on se casse, on se cache. Non, pas ça. C'est très chaud. Alors, on a eu plusieurs types d'essence. Donc ici, on a eu de la wind essence. Ici, de la water essence, life essence. Donc j'ai regardé un peu les crafts qui pouvaient être disponibles à propos de ces trucs-là. Donc en fait, c'est un peu comme des potions, quoi. Donc ça pourrait être très sympa de les tester. Donc voilà. Alors, toi, je vais te tabasser parce que tu es méchant. Voilà. Tu es méchant. Alors je vais aussi récupérer les coffres via qu'il y avait à côté des mobs spawners. Donc oula, oui, ceci est pas très agréable. On va tuer ces zombies, on va s'occuper du coffre. Il y aura peut-être des choses intéressantes à l'intérieur. Hop. Alors, des cookies et du fer. Quelque chose d'intéressant. J'ai pas pris la selle, hein, parce que c'est pas ce qui nous importe le plus. Allez, toi tu meurs, voilà. J'ai plus de torches. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas de coffre. Bon, on va. Cette fois-ci, on va péter les mobs spawners. Oh purée, c'est des mobs spawners à araignées, ça. Ouh là là. Dis donc, ils sont très diversifiés au niveau des spawners. Vite, on casse ça, on casse ça, on casse ça. Voilà. Vite, on casse ça.
Hop, vous, on vous bute. Voilà, ça nous fait plein d'XP, ça c'est très sympa. Hop. Oh purée, vas-y. Ils font que popper à l'infini, c'est chiant ça. Surtout que j'ai plus que mon plastron en cuivre. Allez, toi, casse-toi. Oui, c'est bon. Alors, on n'y voit pas grand-chose. Donc, ah. Oui, il y a trois fers, ok. Et puis plus loin, je crois. Ouh, plus loin, y en a encore du truc à. On va plutôt se barrer là. On va bouffer. On va se barrer, voilà. Vite, on se casse. Du fer, du fer. Allez, on se casse maintenant. Vite, vite, vite. Ah, on a quand même récupéré pas mal de choses intéressantes. Il faudra que. Ah oui, et dans la description de la dernière vidéo, j'avais mis aussi une liste d'objectifs que faudra qu'on accomplisse. Je l'ai pas sous les yeux, donc pour le prochain épisode, je tâcherai de les avoir. Voilà. Donc ce creeper m'a fait très mal, mais c'est pas grave. Et on va casser ce charbon parce qu'on en a cruellement besoin. Voilà. Allez. Hop. Ah ben on est full, donc on peut rien ramasser de tout ça. Je vais crafter des torches avec le truc qui reste. Hop. Voilà. Allez, on y va. On va ramasser un peu de cuivre aussi, ça pourrait servir pour des outils et pour pas trop utiliser le fer parce que le fer, il n'y en a pas autant que le cuivre. Hop, voilà, nickel. Alors ça, on va le garder au travail. Donc on va descendre dans le ravin. Donc on a quand même pas mal utilisé de notre temps d'épisode. 15 minutes, donc on va se laisser dans 10-15 minutes à peu près. Donc on va aller dans ce ravin là qui est ici. Donc on va aller récupérer quelques minerais qui m'ont l'air fort intéressants. Donc on va. Ouais, il y a du fer, il y a du cuivre, il y a aussi de l'argent, je crois. Ici, un minerai en bas. J'ai cru voir un minerai. Ouais, ce truc blanc là-bas que vous voyez, c'est de l'argent, donc on va s'occuper de le récupérer. On va se refaire une autre pioche en cuir. Cuivre, pas cuir. Et toi, tu vas te casser aussi. Ah! Bon, bref. J'ai entendu un Enderman aussi. C'est bizarre. Allez, on va se crafter une pioche en fer. Faut qu'on aille prendre du bois aussi. Donc, faut qu'on aille prendre du bois. Je vais couper cet arbre là qu'il y a là. On le casse à l'épée. On est des barbares. Hop. Hop, on va se faire un coffre, on va tout stocker dedans, tout stocker nos essences et tout ça. Hop, allez, pète-toi, pète-toi. Hop, on repart dans notre caverne. Ici, il y a un biome bizarre, un biome. Ici, là-bas, il y a un biome de sapin, c'est vraiment énorme. Donc, on va crafter du bois, hop, on va se faire un coffre, comme ça on va en pouvoir tout stocker. Hop. Alors ça. Le charbon on le garde, donc ça on stocke les essences. Ça. Non, ça faudra le faire cuire. Donc ça aussi faut le garder. Et on prend la moitié des cookies. On laisse le fil et il y a un zombie qui nous attaque. Allez, toi tu meurs. On va s'occuper de faire cuire le fer. Hop. Et je vais ramasser ce cuivre là qui est là. Hop. Voilà. Parce que le laisser plein de cuivre, moi ça me stresse, même si c'est quelque chose
qui est très fréquent. Là aussi il y en a. Là aussi il y en a. Je ramasse un peu de pierre aussi. Hop. Voilà. Faudra qu'on aille descendre. Je vais poser. Ouh, mais j'avais pas fait attention qu'on avait du cuir à volonté en fait. Je sais pas où est-ce que on l'a trouvé. Bon. On va en profiter pour se faire une armure en fer aussi, tiens. Hop, armure en fer. Casque, bottes. Et oh merde! Oh fuck! J'ai utilisé 6 fers pour faire des barres. Oh, quoique ça pourrait servir pour une maison. Je sais pas. Allez, on enfile notre armure. Hop, on n'a pas tous les points parce qu'on a encore ça. On va laisser notre armure ici. Il faut qu'on crafte aussi une pioche en fer, voilà. Hop, une pioche en fer. Il faudra qu'on aille chercher de la lave aussi pour faire du upgrade 2. What is this achievement? Ah d'accord, ouais. Donc time to mine, getting an upgrade. Upgrade 2. Ok, lighting fast, ouais. Donc faudrait qu'on trouve de ce minerai aussi, ce serait pas mal. The green ore. Voilà. Donc hop, ça. Et une pioche en copper. On a besoin de copper. Voilà, on va remettre le fer comme ça. Hop, et puis on va aller dans les mines. Même si on va bientôt devoir se laisser. Hop. Copper ingot. Allez, cuit, cuit, cuit. Cuit, cuit, cuit. Hop, voilà. Je prends ça, je laisse ça et ça. Et on y va. Je laisse une épée aussi. Hop. Et c'est nickel tout ça. Allez, c'est parti. Je prends de ça. Je vais prendre un peu de bois aussi dans les mines, ça pourrait servir. Et voilà. Allez. On y va. Alors, je sais pas ce qu'on peut. Ah oui, ce qui serait pas mal de faire, c'est. On peut faire aussi des seaux. Des seaux en cuivre, vous allez voir ça. Des seaux en cuivre qui peuvent servir uniquement à prendre de l'eau. Donc, on va s'en servir pour prendre uniquement de l'eau. Hop. C'est le même craft que le fer, que le seau en fer, voilà, copper bucket. Donc on va prendre ça. Et on y va. Allez. Oui. D'accord, tu veux te casser la binette, mais c'est ton problème. Alors, oui, on passe par là. On descend jusqu'en bas. Oui, c'est bon. Alors, on n'y voit pas grand-chose, hein. C'est les cavernes. Hein, Alors, on a du. J'entends des araignées. Déjà, j'entends des araignées, donc c'est pas hyper rassurant. Je récupère le fer. Et oui, j'entends des araignées, en effet. Le l'or. Voilà, l'or. Alors ici on a encore de l'or. Hop. Le minage c'est pas très intéressant mais il faut quand même passer par cette étape là. J'ai besoin de torches. On y voit pas si tu... Ah oui, bien! Oh du diamant! Du diamant! Ah bah c'est nickel alors ça. Ah mais j'avais absolument pas capté qu'il y avait du diamant en bas. Ben décidément, on a de la chance, donc c'est. Franchement, je suis tout excité de voir qu'on ait trouvé du diamant aussi rapidement. Contrairement à Rudy. Kip! Casse-toi, toi! Casse-toi! Casse-toi! Cassez-vous. Voilà. Donc on a du mithril. Et au début, je voyais que ça c'était blanc. Et ça, je croyais que c'était du lapis lazuli. Voilà. Donc franchement, je m'attendais pas à avoir du diamant aussi facilement.
facilement et rapidement. Donc j'espère que la chance va nous sourire encore une fois dans le Nether. Donc là, dans l'épisode prochain, je crois qu'on ira dans le Nether. Hein. Ce sera peut-être... Voilà, hop, on a encore du fer à ramasser. Du diamant. Du diamant, du diamant. Oui, du diamant. Il y en a 6 en plus pour faire une table d'enchantement. En plus, voilà. Hop. Alors ici, il y a du copper et de l'argent. Donc je vais aller récupérer l'argent. Et ce qui est bien avec l'argent, c'est qu'on peut l'enchanter hyper facilement. C'est comme l'or, quoi. C'est enchantabilité vraiment très efficace. Donc voilà, ça pourrait être un avantage très très bien. Donc voilà, je récupère ça. Et je peux encore monter. Je mets une torche. Alors, ici, il y a encore de l'argent. Là aussi. Franchement, c'est... Une fois qu'on descend bien... Ouh, une patate! Ah ben dis donc, on a vraiment de la chance pour cet épisode. Donc, hop, on va miner ce fer. Hop, minons le fer. Allez. Il y a encore du fer ici. Et de l'argent. S'il faut, on va encore tomber sur du diamant dans cette caverne. Ça m'étonnerait parce qu'on n'est pas aussi bas que... Ouh, mais il y a du bois par contre. Donc, et de l'émeraude aussi. Pouh, tous ces minerais qu'on peut avoir. C'est absolument incroyable. Je récupère cet argent aussi. De l'argent, de la thune, de l'oseille, du fric! Excusez-moi. J'ai entendu un zombie aussi. Donc, c'est pas super sympa. Alors, je vais ramasser cet argent aussi. Le minerai noir et blanc et le charbon. Avec de l'émeraude derrière. Donc, c'est très sympa. En plus, ça nous en fait plein de l'argent. C'est vraiment. J'adore ça. Ce mode est vraiment génial. Hop. De l'émeraude, encore un peu de copper. Il y a de l'émeraude encore aussi. Hop. Alors, j'ai complètement oublié ma faim. J'étais vraiment à fond dans le minage. Hop. Et ici, il y a encore de l'émeraude. C'est absolument incroyable, ça. L'émeraude, en fait, ça spawn sous les montagnes. C'est normal, c'est depuis la 1.3, je crois. Qui est sorti il y a un an maintenant. Hop. Il y a pas mal de fer aussi. Et dans les coffres des mines aussi. Dans le coffre des mines abandonnées, il y a aussi des minerais que propose le mode Simple Ores. Crac. Du mithril, vraiment on se remplit l'inventaire de minerais. Franchement, j'adore ça, découvrir de nouveaux minerais, de nouvelles cavernes, de nouvelles. Enfin, pas de nouvelles cavernes, mais de nouveaux trucs quoi, de nouveaux objets et de nouveaux blocs. Franchement, j'adore ça parce que ça change vraiment du Minecraft de base. Donc, ça peut être vraiment sympathique. Voilà. Donc, je remonte. Hop. On va. Récupérer cet or, on va remonter chez nous et stocker tous les minerais qu'on a trouvés dans nos coffres et puis on va se laisser là. Puis dernièrement, j'aimerais. Oh, il y a encore de l'argent. Franchement, on va pas en finir, hein, tellement il y a de trucs, tellement c'est incroyable, tellement on peut pas s'arrêter de miner, c'est tellement. Je sais pas, c'est juste magnifique. Quand on est dans les cavernes, moi j'adore ça, donc c'est... Voilà. J'ai rien de plus à dire. Les cavernes, Minecraft, c'est trop bien. Donc ça, faut le ramasser avec le fer. Voilà. Le mithril. Hop. Ici, y a rien de plus. Hop. Vous avez entendu un petit bruit, c'est normal, c'est mon Skype.
Donc on va s'arrêter tout de suite finalement, hein, donc faudra pas que j'oublie de rentrer à la maison. Voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si les épisodes vous plaisent. Et d'ici là, passez encore, profitez bien de la fin des vacances. Et sauf si je poste cette vidéo à la rentrée, c'est... Bref, c'est pas grave. Allez, d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis ciao tout le monde!